Salut Twitch, salut YouTube. Bienvenue dans cet épisode 31 sur le jeu Yakuza Judgment. Je suis Corbeau Jobotrot pour cette session. Et sans plus attendre, reprenons la suite des aventures de Yagami au sein d'un Japon contemporain et rempli de mystères et d'affaires troubles. Troubles les affaires. Ok, le retour a l'air bon. Je vérifie si le micro est activé. J'ai eu un petit souci sur la vidéo précédente. Désactiver le micro. Non. Ah. Ok, tout est bon. Bah écoutez, bienvenue. Et si vous connaissez pas le jeu, apprenez à le découvrir avec moi. Cependant, je suis devant le bartender. Alors, dans le live précédent, il me semble qu'on avait donc rejoint l'informateur de la police. Et qu'avait-on appris? Alors voilà, on a dû apprendre des choses depuis. Elles n'ont pas été répertoriées. Kaito-san essaie de découvrir ce que c'est Ayabe. Je vais les retrouver au tender. J'avais pas sauvegardé. D'accord. J'ai fait ça, moi? Moi, j'ai fait ça? Ou j'ai pas chargé la bonne save? Et pourtant... Ok, bah ça nous donne l'occasion de remettre un peu de contexte, alors. C'est parti.松金組が撃たれた事件。何か情報は？それがあんまりねえんだよ。大体お前らにも松金組に東って妬元はいいんだろ。耳が早いな。誰に聞いた？さっき海藤から。は？なんで言うんだよ海藤さん。あいつのことは黙ってた方が良くないか？もし羽村にバレたら、あいつの立場がまずくなんだぞ。 綾部の場合、バレてから口止めじゃ遅いんだよ。バレる前に口止めしとく方がずっと安全だ。そういうこと。これでもプロなんでね。プロって？汚職刑事のだろ？好きに言えよ。ただ、今日はマジで大したネタがないんだ。悪いな。なんだ？じゃあ俺はただ酒おごらされただけかよ。待てよ。 そんな風に言われちゃ心外だな。じゃあ、これ一杯分の勘定は情報で払ってく。実は、ユーミンの仕事を受けしてる。知ってたか？組の事務所にもずっといねえ。目下警察でも行方を追ってるとこだ。はあ、それならもう東に聞いてた。今のでグラス一杯か。綾部情報は高えな。 分かったよ、もう。なら、なんか他に聞きたいことがありゃ言え。世間話ってことでただでいい。おっさん3人黙って飲んでてもつまんないからな。世間話ね。じゃあそうだな。 Ouais, non, pas tout recommencer, mais enfin, ouais, cette séquence-là, ouais. Ouais. Je crois que 5% de banane dans mon estomac, c'est pas suffisant. Non mais ça va être vite réglé. On avait pris quoi en premier? C'est même pas important en fait. そもそもの話、協力会はなんで神室町に来てるんだ？わざわざ関西から。そりゃ東京にも縄張り持ちたいからだろ。登場会と交渉してでも？協力会はそこまで強い組織なのか？まあ、協力会はせいぜい1000人程度。 Mais c'est bien ça, on met un peu de contexte.
教令会は 1,2 年前からカムロ町に出てきたが、すぐ東条会に潰されるだろうって警察でもそう見てた。じゃあなんでそうはならなかった？教令会のバックには関西の梶平グループってのがついてる。その資金力がでかいんだよ。梶平ってゼネコン大手の？そうだ。その梶平系列の仇の会社を教令会は隠れ蓑にしてた。それが KGA アートだ。なるほど。Logique, il ne se serait jamais implanté à Kamurocho sans un grand soutien, un gros soutien financier. Kajihira a quel lien avec le Kyōrei-kai? Le grand Zenekon a pourquoi Yakuza n'a pas de l'argent? En fait, le Kyōrei-kai a le désir d'entrer à Tokyo, ce n'est pas le Kyōrei-kai, mais Kajihira. Il a voulu faire une grande redéveloppement à Tokyo. Redéveloppement? Comment?さあな。でもわざわざ関西から乗り込むんだ。でかい話だろうよ。で、その手の話。Conversation enchaîner les bons choix. L'intelligence est toujours récompensée. Au fil d'une conversation, vous aurez parfois à choisir la bonne réponse. Durant ce processus de réflexion critique, vous pouvez gagner un bonus de PA si vous sélectionnez plusieurs fois d'affilée les bons choix.Afin de réunir des informations le plus rapidement et efficacement possible. Si vous faites les mauvais choix, vous perdez une occasion de gagner ce bonus de PA. Quand vous avez la possibilité de gagner un bonus, le nombre de bonnes réponses s'affiche en haut à droite de l'écran. Le nombre d'étoiles affichées représentant le nombre de bons choix dans cette sélection. Oui.カジヒラのそれを全部受け負ってるのが教令会よ。そういう噂だ。多分とか噂とか貴重な情報ありがとうよ。でも一時期はカジヒラの会長も頻繁に東京へ来てた。それは間違いねえんだぞ。で、政治家とか役人、変わったとこで厚生労働省の風見大臣にも何度か会ってた。ゼネコンと厚労大臣、そんなのがあって何話すの？さあな。とにかく教令会がカムロ町に来たのは極道の理屈だけじゃねえ。もう少し複雑なんだよ。松金組は今どんな様子だ？昨夜殺しの現場になっちまったからな。警察に囲まれて身動き取れねえってとこだろ。さすがにおとなしいもんだ。Je règle mon écran, je me fais plaisir. J'ai une très belle qualité d'image. Quand tu penses que c'est une télé plasma qui a plus de 20 ans, genre. Hop, voilà. Anta no me kara mite, saikin no Kamurocho wa dou natteru? Yūbe no ikken de issō kūki ga waruku natchimatta na. Mata kōsō no nagare dama ga katagi ni mo tonde kuru kamo tte yo. Ah.モグラの犠牲者も今までは極道だけだったけどな。流れ玉に目をえぐる殺人鬼、そりゃおっかないよな。あ、それより知ってるか、お前が始めたモグラって呼び名、刑事たちも使い出しててな、街の中でも割と通じんだぞ。へえ。うらうら、pardon。Alors。Non, j'ai pas envie de le taquiner avec le fait qu'il soit traité de ripou. Ça ne m'intéresse pas. Ok. Déjà, soro soro kaeru. Nanda, mou ii no ka? Na, juben da. Yagami ni kaito da na.Je suis un grand détective de la police de Tokyo. Omaera ga muzai ni shite kureta Hamura wa ore ga wappa kageta yatsu datta. Heee,
で、だから。おかげでいい笑いもんになってる。ありがとうよ。うん、どういたしまして。うちの綾部とは仲がいいらしいな。あれ黒岩さん、いらしてたんすか。まあ、仕事サボって飲みに来たんだ。お前もだろ、綾部。そんな、サボるだなんて。じゃあ、俺らはこれで。なあ、一つ教えてくれるか。3年前、お前の弁護で無罪になった人殺しが何の罪もない女の子を焼き殺した。ブラブラブラブラブラブラブラ。この間の裁判でもまた人殺しを野放しにしたな。今度の犠牲者は誰になるんだ。ブラブラブラ、ジョーアベキメセンティメン。教えてくれよ、八神先生。Allez, à plus, hein. D'aijoubu ka yo, Tabo. Ah, ah, yu teyai ni wa nareten da yo. Kuroiwa wa nani shi ni kitan da? Tabun aitsu wa Ayabe no baito mo omitoshi nan da ro. De, yari sugi nai you ni kugi sashi ni kita toka. Naruhodo.それとも俺らの顔を見に来たか。あいつに目つけられたら面倒になりそうだ。どうする、今夜は俺らも店じまいにするか。いや、その前に凶霊会をもう少し調べたい。ん、なんでだよ。今まで俺は連中がただ単にカムロ町の島を狙ってるだけだと思ってた。でもゼネコンがバックについてたり、再開発のビジネスも絡んでる。俺らは本当の凶霊界を知らないってことが。でもよ、連中を調べるってどうやってだ。俺たち凶霊界には友達がいたろ。村瀬のことだな。村瀬のとこに行く。刑事アートだ。Bon. Allez, cette fois je sauvegarde. Hop. Voilà, normalement c'est bon. Bon, alors du coup, ouais, rendez-vous au KG Art, rien d'autre, il n'y a même plus le rendez-vous avec Sana. Ok, bon bah on va faire ça. Ouais mec. Ok. Merde. Tabo, この先行くと KJ アートだ。となるとドローンの出番だろ。今日の村瀬君を覗いてやろうぜ。俺ら KJ アートはもう慣れたもんだな。こっちだ。Alors je me rappelle plus du tout de qui est le fameux Moulassé. C'est qui ce Moulassé?
Hop là. Peut-être que cette fois je vais réussir à utiliser le drone. On va voir ça. Alors. T'es prêt, Kaito? Ah, on peut plus. Hop. Drone. Opération. Non. Vol. Non plus. Ah, faut que je te cause peut-être. Ok. Hato a orega tobas. Kaito-san va, hito no おかしいぞ。さっきからなんか人が少なすぎねえか。そうか。動くな。昨日。 うちのが松金組弾いたとこやね。登場会の開始を楽しみにしとった。要するにうちも限界態勢やったっちゅうこっちゃ。八神さん、どうする？カイトさん、どうするって。こんなのどうしようもねえだろ。やっぱりお前らが登場会やったら もうとっくに両目えぐってるけどな。膝つけよ、おら！にぎやかなマッチや。一、二発撃ったとこで誰も気づかんで。誰の命令で来た？こいつだよ。今日も口軽いな、カイトさん。あんたは誰だ？ 凶霊会若頭、塩やっちゅうもんや。凶霊会のナンバー2か。東が言ってた。ああ、サルングツバと手錠や。話は事務所でゆっくり聞いたる。<笑>お前ら長い夜になるで。 舐めた真似しくさって、そいつからぶち殺したれ。え、ターボ、やるや。何や、お前なんで驚いてる暇なんてないんじゃない。だよな。<笑>やるぞターボ。 Ah!
Oh, cette interception. Fury into EX. Olé. Magnifique. Oh putain. Alors là, j'ai eu trop de réflexes. J'ai fait 3 manips d'un coup, quoi. Bon, par contre, il me faut de la vie. Ouais. Impec. Ça l'est fait, McDoka. C'est vrai que j'ai bien mangé. Allez, ça dégage. Putain, on s'en est trop bien occupé. Hein. Oh, j'aurais été tellement dégoûté de perdre. Impeccable. おかげで助かった。お前も来いよ。どうした?うん。分かった。え?来んのかよ。ま、待てや。このままじゃ済まさんで、お前ら。ヤクザ舐めとったら。命がないで。 Bon, bah on le connaît pas, je crois. On l'a jamais vu, celui-ci. Ok, donc pas de révélation. C'est pas un type qu'on connaissait et qui se cachait, quoi. Oh. Un nouveau copain. なんでわざわざうちに集まってくんだよ。もしかしてメイバクだったか。それは兄貴たちといるところを頭に見られたら。羽村の頭は雲隠れしてんだ。しばらく大丈夫だろ。だからってね。だいたい、そいつ誰です。名前は?杉浦。杉浦文也。 Fumiya Sugiura. Ore wa mae ni mo kono Sugiura-kun ni tasukerareta. Sono omen rei no Kamurocho no settoudan tte no ga tashika sonna no kabutten da yo na. Asoko wa mou nuketa yo. Ima wa hitori. Sore yori omae sakki wa nande ano ba ni ita? Iitakunai ka? Iya. どこから話したもんかと思ってさ。ちょっと込み入った話でね。ん?僕ね、前は梶平グループで働いてたんだ。関西の本社で。そう。そこで社内のIT管理の仕事をしてたの。サイバー攻撃を防いだりとか、そういう。
システムエンジニアってやつ？それで？うん。ある日僕はたまたま経理のデータに数字の改ざんを見つけたんだ。改ざん？グループの幹部が何人かで裏金を作っていたわけ。億単位で領収書のいらない金が隠されてたんだ。で、僕はそれ見て面白がってたんだけどさ、その覗き見が連中にバレちゃった。そこからは早かったよ。僕はなぜか会社の金を横領したことになってクビ。何を言っても信じてもらえなかった。ただそれでも僕は幹部連中の裏金が凶霊会ってヤクザに流れているらしいことは掴んでた。 KJ アートはその行き先の一つでさ、もしその金の流れを証明できれば僕をはめた連中に仕返しができる。だから今日もあそこにいたのか。僕はずっと前からあのビルを監視してるからね。初めて八神さんが KJ アートに乗り込んでった時も見てたよ。じゃあさっき俺らを助けてくれたのはなんでだ？八神さん、この間一緒に仕事しないかって僕を誘ってくれたじゃない。実はその時も悪い話じゃないのかなって、いつか組んでも損はないと思ってたんだ、八神探偵事務所とはさ。特にそっちの海藤さん。さっきだってヤクザが何人いても全然負けそうになかったもんね。見てて惚れ惚れしちゃったよ。お前若いのになかなか見どころがあるな。ああ調子良すぎだって。なあ、やっぱこの話俺んとこでする必要あったか。どうかな、僕ら仲間とまではいかなくても持ちつ持たれつって感じでやるのは。ん？八神さんはモグラ、僕は凶霊界。追いかける相手は違っても結構協力し合いそうだよね。そっちに連絡するときはどうすればいい？これで大丈夫でしょ。なんで俺の番号知ってんだ？携帯を勝手に拝借したでしょ、その時チェックしてたから。なんてやつだ。Ah bah dis donc. Sugiura-kun はなかなかいい青年だったな。あんたちょっと褒められただけでそれか。まだ信用できるわけじゃねえがよ。持ちつ持たれつくらいでやってく分には悪くねえと見たぜ。かもな。まあとにかく今夜もう上がりだ。俺は事務所に戻るよ。おう、じゃあな。ああ、putain、c'est pas vrai。もう帰れよ、あんたら。うちも今日はもう店じまいだ。そもそもあんま気軽に来んじゃねえよ。どちらまで行かれますか？
それでは出発いたします。もしもし。Marie? Mais Marie, c'est qui ça? C'est l'hôtesse qui bosse chez lui? Oui, voilà. Ok, donc en fait elle n'est pas hôtesse. Ok, c'est juste une femme énigmatique. Ah, c'est intéressant tout ça. Ok, j'ai 2-3 gueules à casser et j'arrive. Mais je peux pas consommer. Ah bon. Ah. Y a pas d'alcool. Attendez. C'est à côté alors. Je vais me mettre une petite caisse histoire de profiter du Drunken Master. Comme ça j'aurai une animation de plus, une furie de plus contre le boss. Alors, j'ai soif. Quoi? Ah merde! Par contre, il faudrait que j'ai moins de vie. Ah le con. Ah tant pis. Tant pis, tant pis. Allez, Kaisa, comment il s'appelle déjà? Kasai. Toi là, Yagami, c'est aujourd'hui que je vais t'étaler sur le trottoir. Putain, on se tape la gueule tous les jours, lui et moi. On va devenir potes, hein, c'est sûr. Aïe, 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 aïe. Et là, je vais me faire botter le cul à toi. Ah, voici l'homme que je le cherche. Alors, le Koga s'est enfoiré du palais, m'a demandé de te botter le cul.
Ouai. Non. Non 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 non. Oh putain, ça joue à pas grand chose. Va falloir que je rachète de quoi. Ouais, bah de rien, putain, je crois que je m'en suis jamais aussi bien sorti. Va falloir que je rachète de la bine. Ouf. Alors, un resto dans le coin que j'ai pas cleané encore. Le Wete Kitchen, c'est bon. Le Gyukaku, je crois que c'est bon aussi. Bon, je vais sauvegarder déjà. Ça me paraît pas con. Et donc dans les commerces qui sont clean, Ikinari Steak non, le Ringer Hut non, le Charles, mais c'est tout. Non, vous foutez de moi là. Pourtant tout ça c'est clean déjà. Comment ça se fait qu'ils sont pas marqués comme clean? Le Gyukaku. Il est pas marqué le Gyukaku. Gyukaku, Gyukaku. Ah d'accord, il y a des... Ah d'accord. Mais non, non. Ah ok, il manque encore un burger au Wete Kitchen. Ok, mais le Gyukaku. Plein de trucs que j'ai pas bouffé. Ok. Bon bah let's go. Tout droit. Hop. Oh putain. Bravo, bravo. Ah, il manquait le burger spécial. Ok. Impec. Alors le Gyukaku, il est juste là, voilà. Il me semblait que j'avais tout payé ici. Bon. Ouais. Oula. 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 Ah bah je suis pas prêt de le clean celui-là. Bon bah ça part sur deux, c'est déjà ça. Poulet au basilic et fondu de fromage. Pas mal. Roast beef soumis à maturation. Ça. Ok, maintenant on va vite voir le doc. Oh pardon. Choix devant, excusez-moi. Salut Riez. Je me demande si Sana elle chante ce soir. Pardon. Oh oui, elle chante ce soir.
Salut Doc. Yagami-san. Ouais, j'ai besoin d'un bon bilan de santé. Ouais, mais j'ai besoin d'une trousse aussi. Yagami-san. Ouais, j'aimerais bien une M. Tu sais quoi, je te prends une de chaque. Voilà. Ah. Moi, je suis content, pour l'instant ça s'est bien passé. Et j'ai quand même enchaîné les gars du clan Kyurei deux fois d'affilée, c'est cool. Allez, petite sauvegarde clean, impec. Et donc, direction. Le bartender, ouais, mais c'est même pas la. C'est la mission principale, ça? Sans déconner. Il faut que je trouve un endroit où les jeunes aiment traîner, ouais, ça c'est toujours pas fait. Hein. Aucune idée. J'avais envie de dormir toute la journée, mais le barman du tender veut me voir, je devrais y aller. Ok, ça a l'air d'être la mission principale. Étonnant. Ah ouais, je te l'avais promis. Que c'est mignon, cœur rouge. Ouais. Ah! Ah! La suite des problèmes, des histoires, des soucis. Ah, ok. Et tout le monde a disparu. Ou alors c'est moi qui me retrouve de l'autre côté. Non, non, tout le monde a disparu. Ok. Au calme. Juste histoire qu'on apprenne qu'il y a un fan dérangé, quoi. Bon. Tiens, un message. Je me demande qui ça peut être. Vérifions ça. Oh, Sana. Étonnant, non? J'ai du 9 pour vous, Yagami. Sans déconner, t'as du 9 pour moi, c'est-à-dire. J'ai rencontré quelqu'un de l'agence qui m'a demandé si j'étais d'accord pour signer avec eux. Oh. Mmh. Ok, aucune raison de parler d'argent, ouais. Merveilleux. Enfin bref, l'agence a remarqué que mes vidéos faisaient le buzz, ils veulent que je signe. Vous m'avez l'air bien sollicité et vous allez accepter leur offre? Bien sûr, c'est mon heure après tout. Ok, bah voilà, si j'ai même pas à m'en mêler, c'est super. Hein.
Tout va si bien depuis que je vous ai rencontré, Yagami-san. Aïe, 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 aïe. Je sauvegarde les problèmes. Ah, ils sont rigolotes, ils sont rigolos ces emojis là-bas. J'avais pas fait gaffe encore. Peut-être un petit QR code qui traîne? Non, hein. Elle est amoureuse. Elle est amoureuse, ouais. Ouais. Aïe. Encore des problèmes. Ouais, elle est amoureuse, ouais. Oh putain, ils sont nombreux, hein. Est-ce que j'ai bien chopé celui au club de golf? Oui, c'est bon. Ah, il y en a un qui a un couteau. Oh putain. Alors ce qui me surprend un petit peu, c'est qu'ils aient pas mis comment je peux exprimer ma pensée. C'est que je m'attendais un petit peu à ce qu'ils mettent plusieurs possibilités de date en même temps. Plusieurs crushs à la fois, histoire que je sais pas, il y a une sorte de trouble qui s'installe et que le joueur se sente dans l'obligation de faire des choix et de se questionner. Tandis que là, c'est un petit peu comme si je rentrais dans une pâtisserie et que j'avais le droit de le dévorer gentiment, le gâteau, quoi. Je suis un peu surpris de ça. Un peu compliqué à mettre en place, peut-être. Ouais, ouais, je sais pas trop, ouais. Ouais, j'avoue. Le choix unique est plus facile. Ouais, mais là pour le coup, il n'y a pas de choix, quoi. Ouais. Elle est adorable, mais elle se laisse déborder par ses émotions. Qu'est-ce qu'on troll? Bon alors, ça va être sympa, ça. Charmant gentleman. Alors, infirmière, c'est ça? Tu connais des infirmières qui boivent des coups toutes seules chaque soir? Elles sont occupées et fatiguées. Peut-être dans le journalisme alors. Moi, j'aime bien sa tête à lui. Ah, je doute aussi que les journalistes s'ennuient assez pour aller boire un verre toute seule chaque soir. Hein? Ah, c'est à moi. Alors. Ah, parce qu'il y a une mise en plus. Le premier qui trouve la profession de mari rafle le pot. Donc si on met tous 10 plaques, j'empoche un joli magot de 40 000. Bon bah tu parles d'un joli magot, genre 38 balles quoi. Fais pas ton rabat-joie taqué, je pense que t'as une chance de gagner la partie. Et si je la pimentais pour vous tous, d'accord? Je parie 50 000 que personne n'arrivera à deviner. Ouais, 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 mais je suis chaud, hein. Je suis pas venu pour rien, moi. Tu peux observer à satiété pendant tout le temps que tu veux. Ah, le secret mondain. Alors, demi-mondaine. Bien voyons ce que je peux déduire de ses vêtements et de son langage corporel. Alors, élégante. Un peu trop élégante.
Administration. Ben un peu trop, non? Regarde. Le collier, ça fait un peu trop, non? Administration, là, on est un peu trop dans... Comment ça, nouveau message? Non, mais ils se foutent de moi, là. Avocat. Avocat? Non. Regarde, c'est trop coquet. Regarde, il y a trop de coquetterie. Il y a trop de coquetterie. Tu trouves? Oh. Mon avocate est à Canon XD. Ouais, Canon, mais là c'est hyper coquet quoi. On est quand même au Japon, hein. Je pense qu'il y aurait un peu plus de sérieux de mise, non? Ce collier comporte des pierres de valeur. Elle ne l'a sûrement pas trouvé en faisant les soldes. Oui, bon, ouais. Si elle l'achète elle-même, elle gagne bien sa vie, mais ça pourrait aussi être le cadeau d'un admirateur. Cela dit, si elle vient tous les soirs, il y a peu de chances qu'elle entretienne une relation sérieuse. Peut-être est-elle déjà mariée. Y a-t-il quoi que ce soit sur elle qui puisse m'en dire plus sur son statut marital? MDR. Le matériau est onéreux et le design est sophistiqué là encore, peut-être une marque de luxe, impossible qu'elle prenne la peine de s'habiller comme ça pour venir boire, mais aussi qu'elle porte ça au travail. Se pourrait-il qu'elle soit à son compte? La couleur est originale, on peut donc avancer que son lieu de travail n'est pas franchement conformiste. Comme je le pensais, ouais. Les chaussures, il y a un truc avec les chaussures. Non? Il n'y a pas de bague en tout cas. Bah, je pense qu'on a fait le tour, non? Qu'est-ce qui manque J'ai encore? révisé. Ah oui, d'accord, ok. Je dis rien. Ah bah non, tu dis rien, non. Mais de toute façon, c'est une enquête aux F, hein, parce qu'elle pourrait très bien ne pas avoir de taf aussi, hein, mais c'est pour la blague en fait. Je vois pas comment je pourrais deviner juste à son apparence, si elle travaille ou pas, si elle est mariée. Faut pas pousser quand même. Mais par contre, j'ai fait le tour, hein. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus là? Franchement, j'ai fait le tour, hein. Et tôt. Qu'est-ce que je. J'ai tout regardé, hein. Qu'est-ce que. Non, je vois pas. Hein. Ah, ça me gonfle ça. Ayashi. Ah! Oui, bah oui, qu'elle a pas de bague, oui. Pas de bague aux doigts, ni une marque indiquant qu'elle en aurait porté. Elle ne doit donc pas être mariée. Jolie, ces infos peuvent servir. Ses ongles sont manucurés. Ça signifie sûrement qu'avoir les ongles longs et bien vernis n'a pas d'incidence sur son travail. Bon, là, c'est que des trucs obvious, hein. Tes cheveux sont teints et tes ongles bien soignés. Tu n'as donc pas un travail qui t'impose des règles. Pas d'alliance, donc pas de mari. Tu es sur ton 31 jusqu'aux accessoires. Tu as de l'argent, de toute évidence. Et le fait que tu sois là tous les soirs signifie que tu ne suis pas d'horaire trop contraignant. Impressionnant, je sais qui appeler si jamais j'ai besoin d'un détective. Ah ouais, comme ça quoi. C'est, y a pas d'embrouille. Enfin si, il y a toutes les embrouilles en fait. Ah, donc ça marche à l'instinct. Ok.
Ok. Moi, j'ai envie qu'elle soit écrivain. Mais j'ai un gros doute avec maîtresse de PDG. Mais j'ai envie qu'elle soit écrivain, moi. Ah, ce qui me fait chier, c'est qu'on a déjà eu une enquête avec un écrivain et tout, un écrivain à succès. Je trouve que ça fait un peu gros, ça fait une redondance un peu grosse, hein. Aïe, 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 aïe. J'ai pas envie qu'elle soit maîtresse de PDG, putain. Moi, je l'imagine bien, là, venir au bar le soir, histoire d'écouter les clients raconter leurs histoires et qu'elle s'imprègne de tout ça. Je parle même pas de médecin. Tout à l'heure, elle a parlé d'infirmière. Bon, certes, elle avait l'air de s'y connaître assez pour savoir que les infirmières sont trop crevées, qu'elles n'ont pas le temps d'aller boire des coups après le boulot. En tout cas, pas aussi souvent, mais les médecins, c'est pareil. À part les médecins stars. C'est trop chaud, en fait. On a eu trop peu d'indices, en fait. Ça marche que à l'instinct quasiment. Donc écoutez, moi j'ai envie qu'elle soit écrivain. Ah, c'est pas ça. Ah. Ah, j'étais sûr, putain. Ah non, me dis pas que t'es médecin. Juste dis-moi un truc, Lady, si t'es encore là. Est-ce qu'il y avait la bonne réponse parmi les trois? Maintenant, je pense que non. Voilà, d'accord. Bon, bah, je suis content d'avoir choisi mon choix du cœur, alors. J'avais pas envie de la froisser en lui disant qu'elle était maîtresse d'homme riche, quoi. Ok. Quoi? Encore? Non, mais, avoue-le. Putain de forceuse. Aïe, aïe, aïe. Yagami-san, c'était ma première séance d'enregistrement professionnel aujourd'hui, j'étais super nerveuse. Oh, Attends. pour votre CD, quand devrait-il sortir? Le mois prochain, ils en font déjà la promotion en ligne. Ben, faut fêter ça ensemble. Ouais, carrément, ouais. Ouais, tu m'étonnes si ça se fête, ça. Bah, carrément, putain. Ah, j'aimerais trop avoir une amie qui me dit qu'elle a enregistré son disque. Impeccable. Non, j'entretiens pas de fausses illusions. Ah bon? Ah, je dois lui acheter un cadeau. Oui, remarque, oui. Oui. Je me vois très bien acheter un cadeau à une amie qui a quelque chose d'énorme à fêter, oui, il n'y a aucun problème. Oh. Alors Marie, où est-ce que tu vas? À mon avis, elle a un truc, elle a une boîte à elle. Ou alors elle est juste héritière de...
héritière de clan. Elle pourrait très bien être héritière de clan. C'est mieux que ça encore, visage faisant un clin d'œil. Ah ouais. Ah, elle est peut-être juge. Elle doit être juge. Je pense qu'il y a un bon bail où en fait elle travaille dans la justice et du coup ça deviendra notre acolyte. Notre juge sûr. C'est bon. Elle travaille dans le... Elle travaille dans la justice. Ah merde. Ah mais non, elle a dit qu'elle travaillait le soir et elle est même pas obligée d'y aller. Ouais. Qui peut décider ou non d'aller au travail le soir? Très bizarre. Elle est chanteuse dans un cabaret, elle est où? Où elle est? Hop là. Elle est chanteuse dans un club. Elle est croupière. Mais non, mais... Un Sopland haut de gamme? C'est quoi un Sopland? Un Sopland, c'est un bar à hôtesse. Au-dessus encore. Au-dessus encore? Mais quoi? C'est là... Ah, elle est... Au-dessus encore que croupière, oui. Ah d'accord, elle gère un casino clandestin. Truc de ouf. Ne vous y trompez pas, un de mes amis a ouvert un petit institut de beauté. Vous saviez que je vous suivais. Ouais, j'en attendais pas moins et la chance a joué en ma faveur. Elle noie le poisson. Bordel, elle m'a grillé. Enfin, qui es-tu, Marie? J'ai peut-être une chance si elle part travailler. Je dois juste faire attention à ce qu'elle ne me repère pas. Marie me reconnaîtrait instantanément, bien sûr, je devrais peut-être... C'est-à-dire, elle est où, là? Qu'est-ce qui se passe? Trouver le secret de Marie. Capitaine du clan Kyolei du Kansai, juste en dessous du patriarche, bras droit de Koba... Shioya est le genre de Yakuza qui n'hésite pas à punir ceux qui le nuisent. Pour donner l'exemple, on raconte qu'il est venu à Tokyo dans le but de venger Damura pour l'assassinat de ses subalternes. Pense à ce qu'il vient de dire. Le propriétaire du Thunder m'a contacté car certains clients du bar ont ouvert les paris pour savoir qui devinera la profession de Marie. Et il aimerait que je tente ma chance. Marie est une cliente régulière du Thunder, mais sa vie est nimbée de mystère. Je ne connais même pas son vrai nom, je suis curieux moi aussi, alors j'ai décidé de me joindre au pari. Cliente régulière du Thunder, son véritable nom ainsi que son âge et sa profession restent un grand mystère pour les habitués du bar. Pourtant, personne n'hésite à lui confier ses secrets. Quelle femme séduisante. Moi,
Moi, je la vois bien diriger des équipes. Elle pourrait très bien être taulière d'un bar à hôtesse. Peut-être qu'elle est mère, on va savoir. Le propriétaire du tenant. Et ça, c'est quoi ça? C'est fini ça? Ok. Oui, ça c'est fini, et tant mieux d'ailleurs. Hop, hop. Ah. Ah, la veste du tigre, ouais, c'est vrai. Alors, Marie, où es-tu, Marie? Oui, mais je sais pas où aller, vous êtes marrant, vous. Je dois trouver un moyen de filer Marie. Ah, faut que je me change, oui. Mais c'est impossible à deviner, hein. C'est pas la peine que tu me mettes sur la piste. Hein. On va le découvrir ensemble. Non, mais je valide le style. Ah oui, le style, ouais. Petit bonnet, petite lunette. Hop. Bonjour monsieur, visage qui tire la langue et fait un clin d'œil. Hey Tyrus, comment il va celui-ci? Attends, je suis en pleine filature là. Arrobas Tyrus ou Tyrell des coucous. T'as enfin réussi. Ouais, ça va, oui. Je suis content que t'aies réussi à remettre de l'ordre dans ton Twitch. Je sais pas comment t'as fait, t'as tapé sur l'ordi ou quoi? Oui, enfin j'ai galéré de se rouler par terre de rire. Qu'est-ce que t'as fait alors du coup? T'as genre désinstallé, réinstallé, relancé, retesté, réinstallé, t'es allé dans toutes les préférences, t'es rendu fou quoi. J'ai juste désinstallé l'appli et ça a remarché. Ah voilà, tu t'es pas rendu fou non plus.
Bah, en tout cas, je suis bien content que tu sois là, mon gars. On a enfin réussi à ce que tu viennes. Alors, tu vois, Yakuza Judgment est un jeu qui se passe au Japon, le Japon de nos jours. Et je suis un ancien avocat reconverti en tant que détective. Et on essaye de remettre dans l'ordre dans le centre de Tokyo. On incarne un type trop stylé, trop sympa, trop humble, trop gentil, trop compétent, trop charismatique, bon enfin t'as compris quoi. On incarne le type que tout le monde voudrait être quoi. Hop. Et là je suis hyper déguisé là. J'ai mis un bonnet et des lunettes, tu te rends pas compte. Putain, mais par contre, elle se méfie de ouf, hein. Je vois qu'il a l'air trop cool, ce jeu. Ah, le jeu, je sais pas, mais... Le héros, en tout cas, oui. T'es caché. Bah là mon dono, je suis désolé, hein. T'arrives vraiment dans une session où je suis tout tranquille, tout mignon. Hop là, on a réussi. Impec. C'est pas ce soir que tu vas me voir faire l'animation, quoi. Ah, elle va au casino, au clandestin. C'est elle qui dirige le casino. Je l'avais dit, je crois, à un moment. Oui, je l'avais dit à un moment. Si. Si, je l'ai dit à un moment. Non? Si. Cherche encore. Ah, mais non, d'accord. Ah bah croupière quoi, tout simplement. Ok. Bon, pas grave, je vais voir ton niveau d'espion se rouler par terre de rire. Ah, mon niveau d'espion, oui. Oui, oui. Bah là, c'est fini, là. On se retrouve en plein casino clandestin. Regarde-moi ça. Sous le... comment on appelle ça? Sous... Il se cache derrière une société où tu viens chercher ton poisson frais. Pour le cuisiner après à la maison. Hop là. Un petit cap de qualité. Alors, croupière. Elle est quand même pas barmaid. Hein. Ce serait une barmaid qui aimerait venir boire des coups tous les soirs dans un autre bar. Ah, c'est vrai que j'ai la clé. Oui. Ah, même pas pose. Oh, incroyable! Elle est joueuse de talent en fait, c'est ça? Ah, d'accord. Ah oui, elle est même pas obligée, elle a dit. C'est vrai. Putain. Une joueuse de poker. C'est toi, Take, t'auras beau essayer, je t'ai reconnu. Et puis, je me doutais bien que tu me suivrais. Mais. Ah.
Elle se régale. La meuf vit sa meilleure vie, quoi. Voilà. Je passe quelques heures à la table. Je remporte, je perds des pots. Et puis voilà, quoi. Je te propose un truc. Je te paie et tu n'y rien. Oh, bon, non, non. C'est bon. T'as pas besoin de me payer pour que je garde un secret. Ah, mais si, d'accord, j'ai pas le choix. Oh bah pas au poker alors. Oh non non non, on part pas sur un poker s'il te plaît. Oh non, c'est sérieux? Quoi, elle est où? Hein? Où elle est? Ah, elle est partie. Oh non non, je me sentais pas du tout de faire un poker. C'est quoi les bails? Les femmes adorent garder des secrets, maintenant je suis sérieusement fatigué. Ok. Bah écoutez, pendant qu'on est là, on va se faire un petit blackjack, hein. On va voir si j'arrive à baiser le game. Ça faisait quelques temps que j'y pensais, donc... par contre, je crois qu'il faut que j'achète des jetons. Oh, calme-toi, Yagami. On va en prendre pour 100 000, ouais. Bonne idée, ça. Ok, on va se boire un coup aussi. Alors, qu'est-ce qu'on se prend? Bienvenue, je vous sers un verre, c'est ma tournée. On va se prendre cassis orange. Cassis orange. Vodka, c'est non. Le mélange de la menthe, non. Une eau minérale, un jus d'orange, une bière pression, un vin blanc. Bah vas-y pour un petit vin blanc. Hein. Attends, mais ça aussi, il faut que je le valide? Je sais pas s'il y a un bail aussi où il faut que je valide tout ça, là. Non, il n'y a pas de complétion, je crois. Bah, du coup, je vais juste prendre un petit verre de vin blanc. Hop là. Kineta sa ikka. Ah ouais, je vous en prie. Alors, ça joue bien ici? Ah ouais, vous jouez avec rien, c'est bien ça. Petit blackjack. Alors, comment je me sens ce soir? On va partir sur des parties à... Bah j'ai pris pour 1000 jetons, on va partir sur du 100. Hein. Sinon c'est pas drôle. Alors. Miser. Donc c'est minimum 100, bon, on part sur 100, hein, très bien. Alors 4, 13, As, oh putain ça commence mal. Prendre une assurance, le croupier ayant un blackjack potentiel, vous devriez placer une mise en assurance égale à votre mise de départ. C'est-à-dire une mise en assurance... Mise en assurance égale à votre mise de départ. Oui, mais ça me coûte combien ça? Non, moi je veux pas de mise en assurance. Vas-y, me vends pas tes. Vas-y, ferme-la. Non, non, il fait pas le blackjack. Et moi, je tire. Je tire. Et même. Mais vas-y, moi j'en ai rien à foutre moi. Moi je double. Tu m'entends le jeu? Je double. T'essayes de me faire peur avec ton blackjack potentiel? Moi je double. 23, j'ai perdu. Ok le jeu? Oh merde. C'est pas grave. Je suis allé au bout de mon indo. C'est important pour baiser le game de s'enjailler. Il faut d'abord tout lâcher. Et il faut montrer au jeu que qui c'est qui a les couilles. On repart sur 100. 7. 7, 8, 9, 10, 11. 11, 11. Faut montrer au jeu qu'on a une idée bien précise en tête. Je redouble. Wouhou! Wouhou! Alors, il est où le blackjack? Il est où le blackjack?
Alors, se rouler par terre de rire. 18. Olé ! Oui ? Oui ? Ah bah alors, c'est qui le patron ? Vous avez vu ça ? En deux coups, j'ai baisé le jeu. Magnifique. J'ai récupéré ce que j'avais perdu avant et j'ai gagné ça. Magnifique. Allez, une petite dernière. Une petite dernière, je mise ou je remise ? Bon, je mise. Allez, je mise 300. J'essaye de m'envoler comme un prince. Oh, le 12. Oh, je le sens pas bien, le 12. Bah, si j'abandonne, de toute façon, je perds. Donc, autant tirer. Ah non, je peux rester à 12. Je peux rester à 12. Non, mais lui, il va se rapprocher. Il va faire un 19 ou un truc comme ça. Donc ça sert à rien que je reste. Si j'abandonne, j'ai perdu. Autant que je tire, tout simplement. Mais par contre, je ne vais pas doubler cette fois. Voilà, et je tire encore. Et je fais 22 ou 20. 24. Ok, voilà. Et lui, par contre, il fait le blackjack. Non, il perdait aussi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, ça fait trop mal. Bon, je double. Oulala, le 17 d'entrée. Oh, lui, il va se faire un petit 20. 17, je reste. C'est tout pour moi. Et lui, 17 aussi. Aïe. Bon, j'ai rien perdu. Allez, encore une à 300. Ouf. J'ai 12. Ah, il va nous faire un 20. Il va nous faire un 20. J'ai doublé. Je prends une assurance. Eh oui, le croupier à blackjack. Donc du coup, je sais pas ce que j'ai économisé, mais je l'ai économisé. Vous avez bien fait placer une mise en assurance, monsieur. Bien joué. Ah ok, j'ai assuré mes 300. D'accord. C'est beau ça. Alors. Je double. Quel talent. Quel talent. Oh là là. Je m'arrête là. Mais il va gagner quand même. 16, il retire. 26, ah, j'ai encore gagné. Oh là là. Mais c'est pas possible. Oh non, mais je m'en vais, c'est trop. Je gagne trop. Bah oui, c'est qui le patron? Ouais, je gagne trop. Combien j'ai de jetons maintenant? C'est écrit où ça? Mais j'ai trop gagné là. Y a pas mes jetons? Non, ça s'est converti en yens direct. 428 000 que j'ai. Trop de talent. Oh là là. Ouais, j'en fais une dernière. Je fais un all-in. Ça part en all-in. Ça pue du cul. Oh, comme ça pue du cul. Bien sûr que je tire. Hit. Ah, je l'avais dit. Hit. Quoi? Tu vas devenir accro, se rouler par terre. Mais non, je vais pas devenir. Ah, ça comptait pour 1. Pourquoi ça a compté pour 1 plutôt que pour 10? Je suis à 14. Oh, j'ai peur. Ah, j'ai peur, si je tire, je vais encore avoir une figure. Hit.
20! J'ai fait 20! J'ai 5 cartes et j'ai 20! Non, je t'ai plus, c'est bon. Je m'arrête là. Parce qu'il est associé à un 2? Quoi, c'est vraiment le 2 spécifiquement qui change la 101, c'est ça? Dans le sens où ça fait une suite directe? C'est ça la connerie? Ah, pas de réponse rapide de Lady, alors peut-être qu'on va avoir carrément la règle. Attention! Wow! J'ai encore tout raflé! Ah, je m'en vais comme un prince, ça suffit. Je pense que je vous ai montré, hein. Une fois de plus. Incroyable. Quand je vous dis que Yagami a tous les talents, je sauvegarde ça tout de suite. C'est pas de la chance, mon gars, je te dis que je baise le jeu. Et les fois où je suis moins bon, c'est lui qui me baise, mais de ouf, hein. Aïe, 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 aïe. En fait, le chat se déco. Ah ouais? Ah d'accord. Oui, t'as une mauvaise co aujourd'hui, toi. Tiens, je vais boire un petit coup quand même avant de partir. Ça mérite. Ouais, dis donc, j'étais à 2 mètres de toi, mon gars. Bah, on va partir sur un... On va se prendre le petit cassis orange, là. Hein. On va se goûter ça, quand même. Vu qu'à taille rousse, on va mélanger les fruits. Oh, c'est que j'en tiens une bonne, là, attends. Je suis à 4. Non, non, mais attends, on va s'en prendre un... On va se prendre un petit cocktail de plus. Non, la vodka, je peux pas... Écoute, c'était délicieux, ce cassis orange, on va s'en prendre un autre. Voilà, comme ça je vais être bien pété. Allez, on se finit sur un petit vin blanc. Et comme ça, on croise les doigts pour que quand on sorte le niveau de... comment ça s'appelle déjà ? Le niveau d'agression en ville soit au maximum, histoire qu'on puisse profiter de nos techniques de Kung Fu Drunken Master. Ça serait génial. On va voir si on est dans le bon tempo. Cassis orange, je sais pas si tu fais ça, toi. Non, tu fais pas cassis orange. Et il marche droit encore. Hein. Putain, j'étais à combien de niveau d'alcoolémie la dernière fois, j'arrivais même pas à le diriger. Ah, il tient mieux l'alcool. Peut-être que j'ai pris les aptitudes où il tient mieux l'alcool. Alors, est-ce qu'on va être contacté par Kim? Non. Y a pas de loulou, y a pas de voyou. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, je suis censé me rendre à l'agence. Ok. On y va. Je vais tester un jour. Cassis orange. Ah. Ah, toi là, tu vas pas être déçu. Mule. Coup de boule, coup de boule. Et en plus, je me fais de la thune. Ah bah voilà. Comme quoi ça sert de boire des coups. Voilà, ceci étant fait, on pourra plus en profiter de ça. En fait, c'est toi qui choisis la valeur de ton heure. Ah bon? En fait, c'est toi qui choisis la valeur de ton as. Mais comment? Moi j'ai rien fait, hein. J'ai juste validé à chaque fois de tirer une carte ou pas. J'ai rien fait de plus, Lady, hein, je crois pas. Hein. Ou alors je l'ai fait sans m'en rendre compte. Ok. Oui, je viens de regarder. Ouais, 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 ouais. Ouais, IRL, c'est comme ça que ça se passe, tu choisis, ouais. Ouais, ouais. Ou alors le croupier le fait volontairement, enfin directement pour toi, quoi.
Oui, j'avais. Tu as tiré un as. J'avais dame, ou en tout cas, je crois bien que j'avais une figure, ouais. Deux, et après, j'ai encore tiré deux as. Passer 21. Donc ça a excédé 21 si il compte 11. Oui, genre c'est automatique, si ça te fait perdre, ça compte pour 1, si ça te fait pas perdre, ouais. Aïe, 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 aïe. Allez, ça dégage. Ouais, c'est ça en fait, ouais. Il va TGRS à ton avantage. Ouais. Ah, t'as cherché, c'est cool, merci. Merci beaucoup. Et petit clou, et petit clou. Il y a trop d'ordures par ici, personne ne l'a jamais remarqué. Oh, Nekomi Hassan. Qu'est-ce que j'avais dit? Voilà. Oui, c'est 2 jours hein, Sur que je ces veux le prendre en paroles, je photo. vais dodo. Bonne nuit, les petits. Des bisous. Et bonne nuit la grande. Merci d'être passé. Et merci pour toute ta présence tout au long de la journée. Dors bien. À demain peut-être. @ladi0n, bonne nuit. Voilà, les récompenses de combat. Et... non, je vais sauvegarder d'abord. Même si j'ai dû le faire il n'y a pas trop longtemps. Hop là. Je sais pas qui c'est Shirozaki, moi, ça oublie ça. Ah, c'est la meuf du... C'est l'assistante du cabinet Gaenda. それで 凶霊界に狙われてるかもしれないんですよね。いや、大丈夫。少し脅かしすぎたかもな。八神さんからも電話してみてもらえませんか。新谷先生、私からだと出てくれなくて。俺の電話なら出るって人でもないけど、まあでも分かった。電話してみるよ。新谷先生、今どこにいる？現在法律事務所のエースとして法律に関するご相談はこの新谷正道にお任せを。新谷。ではメッセージをどうぞ。incroyable. Oh, Soussou, il va pas en revenir de ça. を標的とした凶霊界の銃声カムロ町は混迷の度合いを深めていく誰の目にも見えていたのはヤクザの島争いという
単純な図式だが、その陰に大手ゼネコンや政治家たちの存在が垣間見える。そして矢上のすぐ背後ではモグラの鋭い爪が新たな犠牲者を生み出していた。Ok, fin du chapitre 4. Les jours passés. Ah putain, quelle fin de chapitre, incroyable. どういうことです?新谷先生が。でも、山見さん、さっきは大丈夫だって。なあ、沙織さん。俺もまだよく飲み込めてないんだ。ただ、犯人はモグラだと。警察に通報は？いや、これから。じゃあまず通報した方がいいです。それから通報は沙織さんの方で頼める。え？俺は警察が来るまでにできるだけ現場を調べておきたい。頼むよ。わかりました。よろしく。C'est ce qui va dans le ouf que le chapitre finit comme ça. Ouais. Ouais, c'est vraiment spécial. Alors, pour t'en dire un peu plus, ce type-là, c'était ce qu'on appelle un Aniki au Japon, c'est-à-dire un grand frère, genre, un petit peu quoi. Pas qu'on s'entendait super bien, lui et moi, mais c'était le type un peu plus vieux que moi et qui m'avait appris beaucoup de choses dans le cabinet d'avocat où je travaillais avant. Puis surtout, il faisait partie de la petite famille de ce cabinet d'avocat, quoi. Et le fait qu'il se retrouve comme pas mal de gens qui ont été retrouvés assassinés dans les rues de Tokyo, là, avec les yeux enlevés de leurs orbites et tout, quoi. Puis surtout chez moi, quoi. C'est bien ça qu'il faut voir. Il y a une mystérieuse top qui fait des assassinats en ville depuis le début du jeu. Et là, le corps de quelqu'un que je connais se retrouve chez moi, quoi. C'est moi qui vais être accusé. Bon, les preuves. Donc les preuves évidentes, déjà les yeux qui sont partis. Ses yeux ont été arrachés comme toutes les autres victimes de la top. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Un impact de balle. Ça doit être la cause du décès, mais ce n'est pas le mode opératoire de la top. Oui, on est d'accord. Mais le téléphone de Shintani, ce serait un bon début. Il sonnait quand j'ai essayé de l'appeler, donc il doit encore l'avoir sur lui. Je n'ai qu'à le rappeler pour le découvrir. Il me suffira de suivre la sonnerie. Ok, on y va. Poche droite. Poche droite. Ouh là là. Non. Là. Non. Poche gauche alors. Poche gauche. Là. Quoi ? Il n'y a pas de sang par terre, le meurtre a dû avoir lieu ailleurs. Oui, ok, ouais. On lit où ce téléphone. Ah, voilà. Shintani était ici, peut-être qu'il a laissé son téléphone. Non, pas de téléphone, on dirait que la bureau. Ok. Allez, arrêtez l'enquête. L'historique de ces appels devrait m'en renseigner. La plupart sont dirigés vers le cabinet de Genda. Donc là où il travaillait. Donc rien de bizarre. Tous sauf le dernier numéro qu'il a appelé. Shintani l'a appelé à peine quelques heures avant sa mort. À qui parlait-il?
Et bien sûr, c'est le procureur qui m'en veut qui se pointe, quoi. C'est ça? C'est exactement ça. Oh putain de merde. Non mais c'est bon, j'ai gagné le pactole au casino. J'avais prévu le coup, j'avais pré-shot. Je vais pouvoir me payer un bon endroit pour dormir. さっきまで警察の捜査に立ち会ってて、源田先生はまだ事務所に。ええ、矢上さんから新谷先生の話を聞きたいって。私も同じです。星野君も。分かってる。今からそっちに行くから。じゃあまた後で。 De nouvelles infos ont été ajoutées au dossier. Oui. Voilà, donc la top. Le coupable qui a assassiné trois membres du clan Kyorei et leur a arraché les yeux. Si la top n'était pas connue pour s'en prendre aux citoyens, un avocat du nom de Shintani a pourtant été retrouvé mort, les yeux arrachés, laissant supposer que la top était également derrière ce meurtre. Ok. Alors. Meurtre de Masamichi Shintani. Masamichi Shintani, un avocat du cabinet d'avocats Genda, a été retrouvé mort à Kamurocho. Son corps a été découvert à l'intérieur de l'agence de détective Yagami, criblé de plusieurs balles et dissimulé dans un placard depuis une durée indéterminée. À en juger par la faible quantité de sang sur le sol, il semblerait que le corps ait été déplacé de la scène de crime réelle. Aussi macabre que cela puisse paraître, ses yeux avaient disparu de leur orbite, comme si on les avait arrachés. Ça pourrait être l'œuvre d'un tueur surnommé La Top. L'heure de la mort de Shintani est encore inconnue. Un avocat qui travaillait au cabinet d'avocat Genda, il a récemment été retrouvé mort dans un placard de l'agence détective Yagami avec une blessure mortelle au thorax et deux cavités oculaires vides. Puisque Shintani avait fait libérer Amura, tout porte à croire que son meurtre est l'œuvre du clan Kyolei. Cependant, le fait que ses yeux aient été arrachés vient considérablement bousculer cette théorie, car cela ressemble au mode opératoire de la top. Yes, la top. Ah, qu'est-ce qu'il dit sur moi? Propriétaire de l'agence de détective Yagami, où Shintani a été retrouvé assassiné. Précédemment, Yagami avait rassemblé des preuves avec Shintani pour prouver l'innocence d'Amura. Après tout, les deux avocats étaient collègues jusqu'à il y a 3 ans. Une avocate du cabinet d'Avika Genda. Ah, mais elle est avocate aussi. Je pensais qu'elle était juste secrétaire. Et collègue de Yagami, inquiète de n'avoir soudainement plus aucune nouvelle de Shintani. Saori a téléphoné à Yagami pour qu'il fasse des recherches et c'est à ce moment qu'il a découvert le corps. Directeur du cabinet. Hein? Quoi? Directeur du cabinet d'avocat Genda, considéré Shintani, la dernière victime de la top, oui, comme son meilleur élève. Putain, la phrase était un peu chelou, ok. Nouveau membre du cabinet, capitaine du clan Kyorei du Kensai, juste en dessous du patriarche, blabla. Détective travaillant pour la division de Kamurocho de la police de Tokyo, brigade anti-gang, comme son titre l'indique, Kuroi wa gère principalement des affaires impliquant des organisations criminelles, les meurtres du clan Kyorei inclus. Ah, et c'est qui en bas? Ah, Mafuyu.
Procureur du ministère public de Tokyo, Mafuyu connaît bien les avocats du cabinet d'avocats Genda, y compris le défunt Shintani. Il se trouve aussi qu'elle était une amie d'enfance de Saori Shiosaki et qu'elle est même sortie avec Yagami lorsqu'il était avocat. Amie d'enfance de Saori? D'accord. Ça, je m'en rappelais pas. Alors, l'épreuve. Plusieurs impacts de balles. Les orbites des yeux enlevées et ce fameux coup de téléphone à quelqu'un quelques heures avant. Et ça, on l'a lu. Mais voilà, j'ai fait le tour. C'était pas trop long, hein. Il y avait un bon pavé pourtant. Ah ouais. Ouais. Bon, ça, c'est fini. Hop. Impeccable. Petite sauvegarde. Repetite sauvegarde. Impeccable. On en a combien là? 1h48. Ouais, je pense que je vais clore le live ici. Je vais aller faire une petite pause avant de revenir. Ouais, je vais réfléchir à tout ça un peu. Ah bah je peux même plus retourner chez moi, c'est vrai. Peut-être que je peux trouver un endroit où dormir avant de finir le live. Je vois qu'il y a un marqueur. Ah, je peux peut-être retourner au cabinet et dormir sur le canapé. Allez, on va faire ça, ouais. C'est pas les amis qui manquent. Hein. Yagami a un max d'amis. Hein. Je suis niveau 19 en réputation en ville. Autant dire que. Les amis, j'en ai. Aïe! Mais dis donc, ça va pas toi? T'as pété un plomb ou quoi, mon gars? Viens ici, toi. Oui, bah pardon. Ah, il est là le cabinet. Voilà, il est là. Je vais être accueilli comme un prince. Mais surtout, j'imagine qu'il va y avoir une cutscene où tout le monde est en larmes, quoi. Ça va être terrible. Comment ça, pas de cutscene? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, faut aller voir le patriarche d'abord. Ok. Voilà. その着信音がうちのクローゼットの中から聞こえてきたんです。新谷はモグラの手口でやられてました。モグラの手口って、じゃあ新谷先生も目を、ええ、えぐられてた。強霊界に狙われてたはずがモグラにやられるなんてな。新谷先生、今日何か知っている口ぶりでしたよね。ああ、どうせヤクザ同士の抗争とでも思ってんだろう。でもな、モグラはそんなんじゃねえんだよ。あの人は何か俺も知らないモグラの情報を持ってた。多分羽村からの仕入れだ。その口封じに殺されたのかもしれない。モグラが新谷先生を八神さんの事務所で発見させた理由は何でしょう。わかんねえ。奴を追っている俺への嫌がらせか脅し、その両方かも。八神。はい。お前しばらくおとなしくしてろ。かなりヤバいんじゃねえか。
なんだか少し町を出てた方がいい。お前までモグラに狙われたら。わかりました。先生の言う通りにします。俺は新谷が駆け出しの頃から見てきた。あいつ頭が良くてよ、俺なんかより何でも要領が良かった。ただいざって時の育児はねえし、弁護士としちゃ粘りも弱い。それでもずっと俺についてきてた。この先もずっとそばにいるもんだと思ってた。初めて俺がここに来た時、弁護士のいろはを仕込んでくれたのも新谷先生です。頼れる先輩でした。報告ありがとな、平上。沙織君、今日も帰ろう。駅まで送る。はい。お前今夜ここで寝てったらいい。助かります。星野君は？僕はもう少しやってから帰りますんで。そっか。じゃあお先。おやすみなさい。この事務所、八神さんの自由に使っていいですから。もともと僕の方が新参者ですし、鍵も渡しておきますね。あ、OK。ああ、話って。ええ、新谷先生の件なんですけど。八神さん、さっき言ってましたよね、源田先生にしばらくおとなしくしてるって。でも本当はモグラを大きでいるんじゃ。もしそうだとしたら。源田先生には黙ってます。ただその代わり、ん？僕もいいですか、一緒にモグラを追いかけても。八神さんたちの足は引っ張りません。だから。もしかして新谷の敵討つため？あの人はいつも自分に自信がないのを虚勢で隠して。分かりやすい人でした。見た目や態度よりずっと弱かったはずです。羽村の頭とだって好きで付き合ってたわけじゃない。ヤクザなんて怖いに決まってますよ。その結果が今回の事件です。僕はいつも新谷先生のすぐそばにいたのに、何の力にもなれなかったんですよね。本当に僕は若造で、自分でもまだどんな弁護士になりたいのかさえ分かってません。刑事弁護なのか、それとも民事でやっていきたいのかすら。でも仲間が殺されても知らん顔なんて、そんな弁護士になるのだけはごめんです。ですから。いいのか、源田先生はおとなしくしろって言ったんだ。なのに君が俺と動いたら。気にしないでください。自分の弁護は自分でできますから。だから八神さん、いいですか、僕も一緒に。オッケーしないと源田先生にチクるんだろ。ええ、申し訳ないですけど。よし、わかった。じゃあ早速。やったー、 on a nouveau copain。 まず殺される前の新谷が何をしようとしていたか知りたい。で、そいつがわかるかもしれない証拠があるんだ。 Je dois avoir un indice sur ce que faisait Shintani juste avant de mourir. C'est le téléphone quoi。今日新谷がスマホからかけてた電話番号。
これがどこのものなのか知りたい。なるほど、了解です。でも運が良かったですね。犯人がスマホを残すなんてミスしてくれて、こうやって通話履歴も見れるし。いや、ミスじゃない。スマホの端末をどうしようが通話履歴は残るんだよ。あ、そうなんですか。ひょっとしたらモグラは早く俺に死体を見つけさせたかったのかもな。え？わざわざうちの事務所なんてとこに死体を隠したんだ。どんな騒ぎになるかすぐ見たかったとか。あ、さっきの電話番号ネットにありました。先端創薬開発センター、そこの代表番号ですね。なんだって？知ってる場所ですか？3年前その創薬センターで殺人があった。入院中の患者がそこで殺されて山に捨てられたんだ。そして捕まった犯人が大久保新平。大久保って、あ、八神さんが弁護した、あの大久保新平は創薬センターに出入りする理念業者で、タオルやシーツを 2,3 日おきにクリーニングしてた。で、回収したシーツごと死体を運び出したとされてた。そうでしたね。その裁判で八神さんは大久保を無罪にして、でも彼はすぐに次の事件を。もうそこまででいいよ。新谷先生はなんでまた創薬センターに連絡を？誰と話そうとしたんです？それはセンターに問い合わせれば多分わかる。ただ今日はもう遅いか。星野君も帰りな。お互い少し休んだ方がいい。じゃあ明日から仕切り直しですね。どんな風に進めます？そうだな。ここだと源田先生の目があるし、神室町のシャルルってゲーセンがある。まずはそこをアジトにしよう。わかりました。海藤さんには僕から連絡しときます。ああ、助かるよ。じゃあ明日またシャルルで。De nouvelles infos. Ok, ok, le meurtre de Masamichi et le meurtre de Koichi Waku. Alors on va commencer par ça, mise à jour. Chaque personne que Shintani a contacté par téléphone le jour où il a été tué peut être retrouvée dans l'historique de ses appels. On sait à présent que son dernier appel a été passé à un membre de l'ADDC. Ok, et quoi d'autre ? Toutefois, l'historique des appels de son smartphone m'apprit que le dernier... Hein, même chose. Et alors, meurtre de Koichi Waku. Kezak. En 2015, le cadavre d'un patient de l'ADDC porté disparu a été retrouvé dans les montagnes reculées d'Okutama. Chimpei Okubo, préposé au linge de l'ADDC, a été interpellé en tant que suspect, accusé d'avoir tué la victime au sein de l'hôpital, puis enveloppé le corps dans des draps avant de l'abandonner dans les montagnes. Okubo a été mis en examen pour meurtre avec préméditation. Malgré des éléments accablants, la cour a conclu à l'innocence d'Okubo, ensuite rapidement libéré. L'avocat à l'origine de son acquittement était un certain Takayuki Yagami du cabinet d'avocat Genda, soit le personnage que nous incarnons. Très bien, alors Koichi Waku victime, on s'en fout un peu je pense. Mort d'asphyxie, ouais. Alors Chimpei Okubo, ouais. Peu de temps après le verdict, il a été arrêté pour avoir tué sa petite amie mille fois son cadavre ainsi que l'appartement qu'il partageait. Des infos sur moi, ça a été lu, ben voilà, on a fait le tour. Ok. Alors, eh ben, je vais sauvegarder et faire dodo. Hein. Bon, sur ce, Taïrou, si t'es encore là, je te fais des bisous, je te remercie d'être venu. Moi, je vais partir faire une pause. Et pendant cette même pause, je vais décider de si je reviens ou pas. Donc, n'hésite pas à activer la petite cloche, hein, si t'as envie de voir la suite des aventures de Yagami. Je t'assure que ça parle pas toujours autant que ça. Hein.
Hein, là, c'était spécifique, on était dans la mission principale. Sur ce, je pars en pause. Prends soin de toi, mon petit poulet, profite, hein. Tu sais très bien de quoi je parle. Et si je reviens et que t'as envie de voir la suite, eh ben, je te dis à tout à l'heure. Sinon, des bisous. TKT, je repasserai avec plaisir. Bisous, bonne soirée. Visage qui tire la langue et fait un clin d'œil. Des bisous, mon gros.